Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai cru que je ne la ferais jamais. J'ai passé commande pour le fond de teint Kat Von D qu'on voit partout sur TikTok, sur Instagram. Maintenant, on le voit partout sur YouTube, on le voit partout, partout, partout. J'ai passé commande le 6 avril et j'ai reçu mon colis le 4 mai. J'ai mis presque un mois à le recevoir, je n'en pouvais plus d'attendre. Du coup, maintenant, j'ai vraiment trop hâte de le tester. J'ai juste ouvert le colis pour être sûre que ce soit bien le fond de teint. Donc aujourd'hui, je vais essayer le fameux fond de teint Kat Von D, le Good Apple, qui apparemment a une couvrance de malade. Je trouve que sur les TikTok et sur les réels, il n'y a pas vraiment d'avis, c'est juste une application de fond de teint. Par contre, je n'ai regardé aucune vidéo de personnes qui ont essayé ce fond de teint parce que je ne voulais absolument pas m'influencer. Je voulais vraiment me laisser la surprise de est-ce que moi j'allais aimer le fond de teint. Je n'ai regardé aucune vidéo, je peux vous dire que j'en ai zappé hein, ce mois-ci des vidéos. Je vais enfin pouvoir rattraper mon retard. Mais aujourd'hui je vais donc tester ce fameux fond de teint qui est le Good Apple Balm Perfecteur fond de teint. Donc il a une couvrance de fou, ça se voit en vidéo. Par contre, est-ce que sur ma peau grasse ça va pas tout fondre? Est-ce que ça va tenir? On va voir ça au fur et à mesure de la journée. Je l'ai pris dans la teinte Light 12. Je crois que j'avais plus trop de choix. C'est un fond de teint qu'il faut commander sur le site de KVD Vegan Beauty pour le moment parce qu'il n'est pas du tout sorti en France. De base, il devait sortir, il me semble, mi-septembre. Mais ils vont peut-être avancer la date de sortie. Mais pour le moment, il est disponible que sur ce site. Ah, attendez, il faut que je reprenne mon souffle. Je ne sais pas pourquoi je débite comme ça là aujourd'hui. Sur le site de KVD, du coup, le fond de teint est au prix de 38$. Les frais de port pour la France sont au prix de 16,35$, c'est énorme. En fait, c'est ça qui m'a fait hésiter et c'est pour ça que j'ai mis du temps à commander parce que quand j'ai vu les frais de port, et en plus il y a des taxes de 9,27$. Par contre, j'ai eu un code promo, j'ai trouvé un petit code promo qui m'a fait une remise de 5,70$. Bref, ce qui m'a fait un total de 57,92$ pour ce fond de teint. Il n'y a pas la conversion en euros, donc je vais aller voir sur mon compte de combien j'ai été débité. J'ai été débité de 48,84€. En plus, je pouvais pas passer par PayPal, ça a pas marché, donc je suis passée par le paiement classique par carte et j'ai eu des frais bancaires de 1,64€. Bon, ça va, mais j'ai eu des frais bancaires. Voilà toutes les péripéties pour ce fond de teint. Je pense pas qu'il y ait de frais de douane, je pense que c'est les taxes que j'ai payées. Ça a mis longtemps à arriver, quasiment un mois, donc voilà, tout ça à prendre en compte, sachant qu'il va sortir en France, mais que j'ai pas encore les dates. Donc hier, j'ai ouvert le colis et j'ai juste regardé par à travers la teinte. Elle m'avait l'air foncée, donc j'ai mis de l'autobronzant hier soir pour essayer de rééquilibrer. Comme je vous dis, j'ai pris la teinte 12. Donc au niveau de la boîte du packaging, ça se présente comme ça. Enrichi en extrait de pomme qui aide à nourrir la peau. Oh là là. Oh là là. Ça va pas tenir sur ma peau. Il y a 10 grammes à l'intérieur. Si vous l'avez pas déjà vu, le packaging est comme ça, en plastique transparent. Et je me dis que finalement, au niveau de la teinte, ça devrait peut-être le faire. 10 grammes, je trouve ça pas énorme. Je n'ai absolument rien sur la peau. Là, je vais mettre une base. Je vais prendre la Prime and Poreless de Too Faced. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Oui, mes mains sont encore une fois beaucoup plus jaunes que le reste de mon visage. Parce que je mets beaucoup moins d'autobronzant sur mon visage. Vu la fréquence à laquelle on se lave les mains, ça va partir très vite. Je sais pas si j'applique au pinceau ou à l'éponge. J'applique quasiment jamais mes fonds de teint à l'éponge. Mais je me dis que c'est peut-être pas mal pour ce genre de texture. Je vais essayer au pinceau. J'ai pris un pinceau. Il n'y a plus de marque de marqué dessus. Il me semble que c'est Docolor. Et je vais donc prélever avec mon pinceau. Il n'y a pas du plastique? Ah non, c'est brillant comme ça. Je vais prélever la matière comme ça avec mon pinceau. J'en ai pris cette quantité, ça me paraît pas énorme. Et alors on va voir ce que ça donne en couvrance. Déjà en couleur, c'est nickel. Là je reprends pas de matière, je continue d'estomper. La couleur, elle est parfaite. J'ai bien fait de mettre un peu d'autobronzant parce que sinon ça aurait été un peu foncé. Mais en même temps, c'est pas trop clair non plus. Là, j'avoue être très surprise de la texture. Ça s'estompe même bien au pinceau. Alors que franchement, je pensais que j'allais devoir reprendre mon éponge direct après. J'en ai pas mis énormément et niveau couvrance, c'est parfait. C'est exactement ce que j'aime. Je pense que finalement, je vais continuer au pinceau parce que c'est plutôt pas mal pour prendre la matière bah, dans le fond de teint. C'est vachement couvrant. Franchement, c'est hyper satisfaisant de faire ça. J'ai l'impression de peindre. La couleur, si ça s'oxyde pas en séchant, elle est nickel. Je vais en prendre un petit peu sur le front, mais pas trop, parce que le front, j'ai pas énormément besoin, même si j'ai quelques petits boutons en ce moment. Vous voyez mes boutons? Moi, je suis loin d'avoir une peau parfaite, hein, vous le savez. Vous le voyez surtout. Et franchement, ça couvre vraiment très bien. C'est vrai que la couvrance, elle est top. Et habituellement, quand on a une couvrance aussi élevée, comme le fond de teint Huda Beauty, la texture est extrêmement épaisse.
Et là, bah, pas du tout. Ça se fond avec une facilité, c'est vrai que c'est assez déconcertant. Vous avez vu, là j'avais des boutons très visibles et franchement j'ai mis une très fine couche. Ça a hyper bien unifié, je suis hyper contente. Après, est-ce que le fond de teint fait effet seconde peau ? Pas sur moi. On voit quand même que c'est un fond de teint couvrant, je vois un petit peu une matière sur la peau, ce qui est normal. Hein. Je mets un fond de teint couvrant, je peux pas avoir un effet zéro matière. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Comme les fonds de teint crème comme ça, j'avais peur qu'ils soient hyper gras. Je sais pas ce que vous verrez en caméra, j'espère vraiment que vous verrez bien, mais limite, il a un rendu semi-mat. Par contre, il est pas lissant au niveau des pores, des imperfections. J'ai des fonds de teint qui lissent mieux à ce niveau-là. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. J'ai l'impression qu'au niveau du dessus de la lèvre, c'est un petit peu plus sec, on voit un petit peu plus la matière. Oh non, je suis désolée pour le bruit que vous allez entendre, peut-être, je sais pas si vous l'entendrez. C'est un bruit continu, il passe le Karcher en fait, je vous raconte ma vie. Mais j'ai attendu toute la matinée qu'il soit midi pour pouvoir filmer et qu'ils prennent leur pause. Je pensais que j'avais de midi jusqu'à 13h et en fait là ils sont déjà en train de recommencer. Mais là je peux pas attendre jusqu'à 16h30, je voulais absolument avoir le temps en fait de porter le fond de teint. Déjà ça m'a saoulé d'attendre jusqu'à midi parce qu'on perdait du temps de port de fond de teint. Je vais continuer comme ça, désolée. Ça part légèrement dans ma ride mais franchement pas grand chose. Là j'ai pas encore poudré, hein. Je vous fais toutes mes impressions, mes premières impressions sans poudrer. Je vais continuer mon teint avec vous en caméra. Par contre je vais utiliser que des produits que vous connaissez par cœur et que vous avez déjà vu 50 fois sur ma chaîne. Parce que j'ai vraiment envie de tester le fond de teint. Et si jamais il y a un truc qui va pas, pas de remettre la faute sur peut-être l'anti-cerne parce que je le connais pas. Vous voyez, je veux être sûre de connaître tous les autres produits. Donc là j'applique le Shape Tape de Tarte avec mon éponge. Et là j'en ai mis un peu moins que d'habitude parce que je veux pas le descendre trop bas. Pour bien tester le fond de teint en tant que fond de teint. Je me disais mais c'est fou cet anti-cerne, d'habitude il est de la couleur de ma peau. Mais en fait j'avais oublié que j'avais mis de l'auto-bronzant. Ça fait qu'il est assez clair, c'est cool. En sentant l'odeur de l'anti-cerne, je suis en train de me dire, j'ai senti aucune odeur en appliquant le fond de teint. Peut-être qu'il a pas d'odeur. Il sent rien, mais vraiment. C'est pas il pue, il est pas parfumé, ou alors il est parfumé. Il sent rien. L'anti-cerne s'est très bien mélangé avec le fond de teint, ça a pas fait de démarcation ou quoi. J'aime beaucoup. Franchement, là, pour le moment, j'aime beaucoup. Et le fait qu'il soit pas gras, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit gras et que je vous dise, c'est pas pour mon type de peau. Et bah, pas du tout. Donc, ça me donne un espoir, finalement. Au niveau de la poudre, je vais mettre la poudre Ilamasqua. Alors, elle, pour le coup, elle est très parfumée. Je vais poudrer mon teint et mon contour des yeux avec. Du coup, là, je suis en train de poudrer mon teint. Et je me dis, qu'est-ce que c'est bien de pas avoir un teint vert. C'est bien de pouvoir choisir les couleurs qu'on met sur son visage. Là, actuellement, j'ai pas encore vu vos retours sur ma vidéo challenge que j'ai postée mercredi, puisqu'elle est sortie à midi et qu'il fallait absolument que je commence de filmer. J'espère que ce challenge vous a plu, parce qu'alors là, moi, vraiment, il m'a beaucoup plu. Je mets la même quantité de poudre que quand je poudre mes autres fonds de teint. C'est-à-dire énormément. J'ai pas rajouté de correcteur sur mes boutons, vous voyez, et franchement, moi, ça me convient. C'est pas grave si on les voit encore un petit peu, c'est normal, on voit une rougeur ici. Là, j'ai la marque de mes lunettes, on voit encore les rougeurs. Moi, ça me dérange pas. Ensuite, je passe un petit coup de pinceau pour enlever l'excédent de poudre. Au 8e, s'il vous plaît. Je sais plus ce que je disais, du coup. Ouais, j'ai poudré mon teint, nickel. Franchement, il n'y a pas tant que ça d'effet matière. C'est par rapport à la couvrance que j'ai sur le teint, je trouve que l'effet matière est correct. Je vous ferai un petit zoom après, mais j'attends de finir totalement mon teint. Juste au niveau du nez, ça fait un petit peu plus sec, mais en ce moment, avec quasiment tous les fonds de teint, ça me fait ça. Donc je lui lance pas du tout la pierre, c'est normal. Au niveau du bronzer, je vais utiliser le Ilamasqua aussi. Franchement, c'est une marque que je suis en train de beaucoup aimer. Je vais pas en mettre énormément. Bah non, mais je préférais le Karcher, s'il vous plaît. Pour le blush, je vais mettre le incandescent Electra de la gamme Lighting Blush. Mais pourquoi il tape sur des trucs? Aujourd'hui, c'était censé passer le Karcher, je comprends pas. En fait, je vais pas mettre celui-là parce qu'il va être trop clair avec l'auto-bronzant que j'ai mis. Donc je vais prendre plutôt un blush de chez Essence dans la teinte 80, qui est celui-ci. Il est un peu plus pop, donc il devrait ressortir même avec l'auto-bronzant. Ouais. Et au moins il est pas du tout brillant, et je vais pas mettre d'highlighter. En fait quand je veux tester un fond de teint vraiment, je mets pas d'highlighter parce que comme j'ai la peau grasse, j'ai pas la peau mixte, je ne brille pas uniquement sur la zone T, je brille partout. Donc ici, en fin de journée, je brille naturellement. Du coup là, avec l'highlighter, c'est toujours plus difficile de se rendre compte si un fond de teint me fait briller ou pas. Au moins là il n'y aura pas d'highlighter, si je brille, c'est que je brille, c'est pas l'highlighter. Bon, j'ai peut-être un peu trop forcé avec le bronzer à ce niveau-là, on voit un peu plus mes imperfections. Ça a peut-être un peu atténué la couvrance du fond de teint. Par contre, au niveau de tout le reste du teint, la couvrance elle est dingue, j'aime beaucoup.
Le seul petit point pour le moment qui me chagrine un peu, c'est qu'il est palissant. Il laisse mes pores apparents, et moi comme mes pores sont vraiment très apparents, bah j'ai les pores très apparents. Ça se voit, c'est pas lissé. Je vais venir mettre le spray magique, plus communément appelé All Nighter version matte. J'en mets sur tout mon teint. Ça va, en général, ça améliore un peu au niveau du nez, parce que là, mon nez, c'est pas très beau, hein, mais je vous dis, c'est ça avec tous les fonds de teint. Voilà, teint terminé, il est midi 54. Et donc voilà le résultat au niveau du teint, franchement, c'est tout ce que j'aime. Vraiment tout ce que j'aime, j'espère que ça va tenir, que je vais pas briller trop vite, que ça va pas migrer, que ça va pas faire des trucs chelous, que je vais pas finir orange aussi, que ça va pas s'oxyder. On va bien voir. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Je sais pas si vous verrez bien, mais vraiment au niveau des joues, du front, c'est nickel. Je vous dis, au niveau du nez, c'est pas magnifique parce qu'en ce moment, c'est vraiment jamais magnifique. Mais ouais, je suis plutôt contente du résultat. Bon, ça y est, j'ai fini de me maquiller. J'ai rien fait au niveau des yeux, j'ai juste mis du mascara. Et du coup, je voulais vous montrer ce que ça donne en lumière naturelle. Alors après, cette caméra, c'est pas une caméra faite pour filmer les maquillages, donc peut-être que vous aurez l'impression que mon teint est plus joli. Ça vient pas forcément de la lumière naturelle, ça vient surtout que cette caméra, elle lisse quand même pas mal la peau. Je pense que vous verrez bien la différence, mais je voulais vous montrer quand même ce que ça donnait niveau couleur et tout. Avec mon bras par exemple où j'ai mis l'autobronzant, franchement c'est plutôt raccord. Voilà, donc je suis assez contente de la couleur, du rendu. Franchement j'aime bien. Bon, là il va être 16h, je me suis changée parce que j'ai un rendez-vous et du coup je voulais vous faire un petit point parce que je vais être obligée de mettre mon masque. C'est carrément normal, le fond de teint va bouger, surtout au niveau du nez, donc je voulais vous faire un petit point avant. Donc comme je vous dis, il est 16h, ça veut dire que ça fait 13, on va dire 3h, 3h30 que je porte le fond de teint. Je commence à briller au niveau de la zone T, c'est pas du tout énorme, hein. Vous voyez, je commence à peine à briller ici, enfin je brille mais je vais même pas repoudrer ou quoi. Attendez que je vérifie quand même, ouais non. Rien n'a bougé du tout à part mon rouge à lèvres qui s'est transféré ici, mais sinon rien n'a bougé. Je vous referai un petit point quand je rentrerai après avoir porté le masque, on va voir ce que ça donne. Celui-là je l'avais reçu bah, justement dans un colis KVD. Je sais pas trop s'il va faire bouger mon maquillage, je l'ai jamais porté donc on verra bien. Bon, je rentre à l'instant mais j'aurais dû vous préciser que le rendez-vous il était chez l'ostéo pour ma nuque. Donc elle m'a carrément manipulé la nuque, elle m'a pris par là. Alors j'avais le masque du coup elle a appuyé dessus. Donc on va voir ce que ça a fait, mais je pense que le résultat sera pas ouf. Ça n'a pas bougé. Alors j'en ai dans mon masque du fond de teint, j'ai du rouge à lèvres et du fond de teint dans mon masque quand même, donc c'est parti un petit peu, mais je veux dire ça a pas tout déplacé. J'ai pas des gros traits sur mon nez, finalement j'ai pas mis le masque noir parce que j'ai trouvé le rose et que vu que j'étais habillée tout en noir je voulais un masque coloré. Donc franchement bah très bien, écoutez on va attendre et je vous ferai un point ce soir. Bon je vous retrouve, il est 19h57, je voulais absolument vous faire un point avant qu'il fasse nuit, même si on n'a pas l'impression, mais là c'est les derniers rayons du soleil. Ah ouais, ça fait 7h30, 8h déjà que je porte le truc. Alors je brille sur le front, sur le nez, le menton et les ailes, non pas du tout les ailes mais ici, juste là. Je sais pas trop comment ça va ressortir mais en tout cas je trouve que c'est largement portable encore. C'est vrai que ça mériterait un petit coup d'éponge et le sébum, mais en vrai d'habitude c'est là où c'est super gras. Et je pense que mon masque que j'ai mis tout à l'heure a absorbé un petit peu l'effet gras qu'il y avait sur mon nez. Et du coup franchement, la tenue du fond de teint est vachement bien. Par contre aux zones qui sont pas grasses, donc c'est-à-dire les zones qui sont ici et ici encore, et juste au-dessus de la, sur la moustache, et ben c'est un petit peu plus sec je trouve. Mais après comme j'ai mis de l'autobronzant hier, c'est possible que ça vienne de ça, que ça ait un petit peu asséché ma peau. Par contre, franchement, la tenue, je suis surprise. Hein. 7h30, la tenue, là, le fond de teint n'a pas bougé. Dans le sillon nasogénien, c'est parti un petit peu, mais franchement, quasiment pas. Mais en tout cas, pour le moment, ma première impression, elle est clairement validée. Là, je suis hyper contente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette première impression vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un retour au bout de plusieurs utilisations. Si je l'aime plus, si je l'aime moins, si je reste sur le même avis, je vous dirai tout ça dans les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!